Dans cette balade rive gauche, autour de ce long, très long boulevard Raspail, les rencontres d'Yvan vont vous régaler. Voyez plutôt. Olivia et Marie-Laure viennent d'ouvrir une pâtisserie de fruits glacés ultra chaleureux. Mais qui a eu l'idée du fruit gilet ? Marie-Laure. Vous en avez parlé comme ça tout d'un coup ? Elle n'est pas que blonde. Ozana donne une seconde vie aux objets de luxe. Et ça, c'est tentant pour Yvan. Ben moi, je vais prendre celui-ci. Allez, ouais, ça me va. Non, je vous le laisse. Ça fait cher, ça, hein ? Combien ? On est dans les 8 000 euros. Oh là là. Frédéric adore imaginer la nuit de noces du général de Gaulle au Lutetia. Et qu'il avait cette vue incroyable au lendemain, on peut l'imaginer. De garde, c'est avec Yvan. Et en fine gâchette, Yvan part à la chasse avec le simulateur de Baudouin. Tu me mets des canards un peu boiteux. Hein. Allez, voilà. Je suis en arrière complet, là. Mais pour commencer, Yvan a rendez-vous avec une figure incontournable du coin, Nicole. Elle tient avec force et douceur, comme ses fromages, son illustre boutique.